de la saison, très en forme forcément, car il l'a réalisé à Monaco il y a quelques jours de cela. Il est venu en voisin de Toulouse. On va voir au rabat. Romain Debesse pour l'Athletic Club 92 qui a décidé de prendre les commandes. Ça joue forcément un petit peu des coudes. Nassiri, le Nancéen Renaud Rosière qui a fait l'extérieur pour venir prendre le tempo. Il emmène avec lui Benjamin Robert pour le Satuc. C'est Toulouse, Maxence Brouillat, c'est toujours au cœur du peloton pour l'Athlécalade Val-de-Saône. Les garçons quasiment alignés dans la ligne droite au passage au premier tour. Julien Ranc qui fait l'extérieur pour aller prendre la tête du peloton avec Renaud Rosière qui pour l'instant cadenasse le peloton. La cloche a retenti, 55-26 sur ce premier tour. Renaud Rosière pour Nancy Athlétisme toujours en tête devant Julien Ranc et Mehdi Nassiri pour l'UA des Côtes d'Armor. Benjamin Robert est en train de fournir son effort à l'extérieur avec le maillot du SA Toulouse, Université Club. L'explication entre Renaud Rosière et Benjamin Robert. Benjamin Robert qui est en train d'accélérer. Hugo Arlabos qui revient et qui tente de suivre la cadence. Également, il y a Julien Ranc qui remet une accélération. Également avec Renaud Rosière, les quatre garçons qui ont désormais creusé un écart et qui vont se disputer le titre de champion de France. Benjamin Robert pour l'instant qui tient le meilleur, le détenteur de la meilleure performance française de la saison. Benjamin Robert qui va tenir le Toulousain. Benjamin Robert va être champion de France. Benjamin Robert, champion de France devant Renaud Rosière pour Nancy et Julien Ranc pour l'athlétisme Metz Métropole. Il était arrivé avec l'étiquette de favori. Il l'a tenu. Benjamin Robert est champion de France en 1:48-68 devant Renaud Rosière pour Nancy et pour devant Julien Ranc, médaillé de bronze pour l'athlétisme Metz Métropole. Du côté du soir, on retrouve Marco Février,